Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons à Shanghai dans la SEG Galerie. Nous sommes début 2005 et nous allons nous diriger vers la ville de Changsha. Bon visionnage à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Passe en bateau, en train et en avion. Il va faire ce Ronald. Pam, 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 pam. C'est pour finir la bande. Donc là, on est à l'aéroport. On attend pour prendre l'avion en direction de Changsha. Donc là-bas, on voit les tarifs. Si ça zoome, si ça va bien, c'est trop fou. 56, donc pour 5,60€, vous avez la totale. Clé pour 5,60€. Ça ou ça? Voilà. Tout ça. Tout ça. Sprite qui pique trop, donc voilà, ginger, lemon taste, et ça pique sa mère. Les Sprite qui arrachent la bouche, ils sont vraiment trop forts. Donc nous voici dans la campagne de Changsha, changement de décor. China, foreigners, yeah, and non-China, yeah, and this was one. Finalement, c'est orange jaune la couleur des briques. Voilà. Tao Pai Pai. Il est où Tao Pai Pai? Là-bas? Il y a des poules là-bas? On est en pleine grippe aviaire, c'est pour ça la petite blague sur les poules. Tu prends, moi je filme. C'est strong, hein, ça c'est du bambou. Hein. Allez, allez, Xiaolu, vas-y. Ouais, il y a une petite source d'eau chaude là-bas, là. Vous pouvez vous baigner, là? Une petite source d'eau chaude. Les trois petits cochons! Qu'est-ce que c'est? Les trois petits cochons! Les petits radoufs! Sa petite grippe aviaire!
Ah, c'est du trou du cul qui donne la grippe aviaire. Oui, bah reste tranquille. Hein. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bordel de truc. Voilà. Il y a combien d'habitants? Combien de voisins? Moi, 200 000. 200 000 voisins. C'est un petit chiffre. Hein. Un quartier. Un petit quartier, hein. Bien sûr. Putain, ça va où quand même, écoutez. Voilà. Petit quartier. Et nous, on est où? Qu'on est où? Il n'y a pas la vue du cinéma de Miss par contre. Ah ouais, est-ce qu'il y avait envie de lui? Et nous on est par là. Par là. Ouais, la 301. À côté des 11 milliards, 300 millions. Voilà. Ouh, je sais quelle est ma boîte aux lettres. Mais c'est complètement oublié où je suis, mais je suis pas dans la boîte. La boîte aux lettres juive doit être par là. Là-bas. Ou là-bas. Voilà les belles couchettes. Ça c'est mon lit, vous pouvez remarquer. Voilà. Aurélie adore Nao. Nicolas il va dormir en bas. Nicolas qui est là. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien? Qu'est-ce que vous faites pour faire les cartes? On peut faire un petit jeu de cartes. Ah, ça va être sympa, hein. On va jouer sur la petite table. Là. Un peu crado. Un petit peu crado partout. Franchement, c'est un petit molard partout. Ouais, c'est crado, ouais. Là, dans le train. On file un petit peu les petits plans, les blancs des palissades. Ouais, je sais pas si on va bien voir, là. Attends. Il y a un petit reste de manger, là. Si, on verse. Des petites fêtes de poulet. Fêtes de poulet? Des fêtes de poulet. Oulala. C'est bon, hein. Donc voilà, entre route pour Guiling, on vient de quitter Changsha. Donc voilà. Mais ça carré, il doit faire 4 degrés dans le temps. C'est génial. Parce qu'on fait de la fumée quand on parle. Je vois si on va la voir. Si on voit, on voit. Ouais. C'est le haut de gamme. C'est le top. Ils sont arrivés à bord de deux. Top. On s'endort. Sipro et Oli en deux. Voilà. Il est parti notre collègue. Non, mais les seuls, là, ici, non. Ils sont tous partis. Hein. Tu suis fait là, toi? Ça y est, nous sommes arrivés à Guiling. Premier matin, il fait bon, ça nous change. Il y a du soleil et tout, et voilà, c'est magnifique comme petite ville, ma foi. Là, on a commencé la balade. Tu vas rien voir, Aurélien. Ah ouais. Thank you.
mon petit bambou en offrande pour le Bouddha. Donc là, nous sommes juste au pied de l'éléphant qui trempe sa trompe dans les dans la rivière, quoi. C'est ça ? Ouais. Nous sommes dans la colline de l'éléphant qui trempe sa trompe dans la rivière. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est l'empereur lui-même qui avait, avec un éléphant, avait massacré un village et l'éléphant blessé, ils ont cru qu'il était mort. L'éléphant était recueilli par un vieux qui l'a aidé. Donc du coup, l'éléphant pour l'éléphant pour aider le vieux, pour le remercier, il a reconstruit le village. L'empereur a été dégoûté, donc il a tout niqué. L'éléphant, et l'éléphant, il meurt dans la rivière, donc c'est... Voilà, c'est ça, c'est une guerre contre l'éléphant. Les jours... J'appuie sur la gâchette. Il montait avec ses seaux d'eau le long de la montagne. Les tortues géniales le faisaient souffrir, parce que... C'est de la marche, on est qu'au début et c'est sec. C'est très très sec. Je vais arrêter parce que... Maxou. Ah, petite photo qu'on va déchirer. Oh le mec, hein? Ah bah oui, c'est mieux, plus du monde, plus c'est mieux, hein. Où est Charlie? Vous l'avez vu? Ah le voilà. Ah, surprise! Je sais, moi je te fais une surprise. Bon, bon, qui fait le tour. Tu vois, 360 tours. T'es rendu à 20, continue. Ah, Maxime, je vais pas t'embêter, mais est-ce que tu voudrais... Dis. Dommage, le pied. Allez, go. Demain. Toi aussi? J'ai mis l'année avec une princesse, je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Par contre, t'as une belle vue au haut de la cité cachée par les arbres. Un éléphant avec une trompe. Superbe. Pourquoi le point de vue il est là? On peut pas les visiter là-bas? Parce que c'est de la carotte, c'est parce qu'il y avait une marque sur le bouquin, c'est de la carotte. Alors, je sais pas si on va voir. Pour rocher, tu fais 4 fois le tour, rocher. Que l'eau elle est claire. Ah ouais, tu vois pas de. J'ai envie d'enlever mon manteau, c'est dingue. Ouais.
sortir en gros. On va retrouver plus beau dans le parc, ce sera les pêcheurs au cormoran. T'as la goutonnée, Maxime? C'est possible. Elle va tomber là. Ah. Prenez un mouchoir, David. Pêcheurs, ils apprivoisent les cormorans. C'est une bête. Le voilà, l'éléphant. On était à l'autre bout tout à l'heure. Et donc, tout ça, c'est l'éléphant. Ça trempe énormément. Elle trempe dans l'eau. Non, on était là. Un trou. Eux, ils sont en train de galérer, les gens. Ils ont fait payer pour ça. Ils sont juste à 2 mètres de nous, là. Avec ça qui nous sépare. Là. Ce petite bête. Ils vont te chiquer, Aurélie. La petite grippe aviaire partout. Tortue. Une espèce de serpent d'eau, je sais pas quoi. Des encore des tortues. Des petits escargots. Ah, là, il vient choisir son poisson. Une petite pintade, donc il faut choisir sa bouffe. Des poissons. Et ça, c'est quoi? C'est des risques. Ça, vous pouvez en manger aussi. C'est mignon comme tout. Oh, ben, moi, je pourrais jamais manger une petite bête comme ça. Et là, vous avez du snake. Qui veut sortir d'ailleurs, il est proche de s'attaquer à Nico là. Si je l'énerve depuis tout à l'heure, elle a ce qu'elle a scotché. Ouh là 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 là. Des petits serpents. Ouh, des petits lapins qui gambadent. Donc tu choisis ta pièce. Ah, là, t'es derrière moi là. Elle a éclaté juste derrière moi là, le petit machin. Merci madame. Bon appétit! Oh, il est en transe. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mets culinaires incroyables que l'on va se quitter. On aura vu la Sega Gallery, on aura vu un bout de Changsha. Et la première partie de Guilin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre la suite de nos aventures. À
à lâcher un petit like, à partager, et on se retrouve très vite. Allez, ciao.